paroles que tu es sur le point d'expérimenter sont vraies. Elles vont changer ta vie si tu le leur permets, car elles viennent du cœur même de Dieu. Il t'aime et il est le Père que tu as cherché toute ta vie. Voici sa lettre d'amour. Je te connaissais avant même que tu sois conçu. Je t'ai choisi quand j'ai planifié la création. Tu n'es pas une erreur, car tous tes jours sont écrits dans mon livre. J'ai déterminé l'heure exacte de ta naissance et où tu vivrais. Tu as été créé une créature merveilleuse et admirable. Je t'ai tissé dans le ventre de ta mère. Et je t'ai fait sortir le jour de ta naissance. J'ai été déformé par ceux qui ne me connaissent pas. Je ne suis pas distant, ni en colère, mais je suis l'expression complète de l'amour. Et c'est mon désir de te combler de mon amour, simplement parce que tu es mon enfant et je suis ton père. Je t'offre plus que ton père terrestre n'a jamais pu t'offrir, car je suis le père parfait. Tout bon cadeau que tu reçois vient de ma main, car je suis ton pourvoyeur et je réponds à tous tes besoins. Mon plan pour ton avenir a toujours été rempli d'espérance, parce que je t'aime d'un amour éternel. Mes pensées vers toi sont innombrables comme le sable au bord de la mer, et je me réjouis de toi avec un chant. Je n'arrêterai jamais de te faire du bien, car tu es mon trésor précieux. Je désire t'établir de tout mon cœur et de toute mon âme. Et je veux te montrer de grandes et merveilleuses choses. Si tu me cherches de tout ton cœur, tu me trouveras. Fais de moi tes délices et je te donnerai les désirs de ton cœur. Car c'est moi qui t'ai donné ces désirs. Je suis capable de faire pour toi bien plus que ce que tu pourrais probablement imaginer, car je suis ton plus grand encouragement. Je suis aussi le Père qui te console dans tous tes soucis. Quand tu as le cœur brisé, je suis près de toi. Comme un berger porte un agneau, je t'ai porté près de mon cœur. Un jour, je vais essuyer toutes les larmes de tes yeux et j'enlèverai toutes la souffrance que sont endurées sur cette terre. Je suis ton Père et je t'aime comme j'aime mon Fils, Jésus. Car en Jésus, mon amour pour toi est révélé. Il est la représentation exacte de mon être. Il est venu pour démontrer que je suis pour toi, pas contre toi, et pour te dire que je ne compte pas tes péchés. Jésus est mort pour que toi et moi puissions être réconciliés. Sa mort était l'expression ultime de mon amour pour toi. J'ai abandonné tout ce que j'aimais pour gagner ton amour. Si tu reçois le cadeau qu'est mon Fils Jésus, tu me reçois et rien ne te séparera plus jamais de mon amour. Reviens à la maison. Et dans le ciel, il y aura fête et grande réjouissance pour le pécheur qui revient à moi. J'ai toujours été papa et je serai toujours papa. Ma question est, veux-tu être mon enfant? Je t'attends avec amour, ton Père, Dieu tout-puissant.